Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de commencer à l'heure en vous indiquant que plusieurs de nos collègues ont donné procuration. Nathalie Angèle a donné procuration à Marie-Claude Deluce. Anne Touvenot a donné procuration à Gérard Pals. Véronique Pierron a donné procuration à Bertrand Foltz. Cyril Perrault a donné procuration à Charles-Antoine Boivin. Et Christophe Bailly a donné procuration à Isabelle Schiltz. Voilà, je vous propose de désigner pour secrétaire de séance notre collègue Stéphanie Texera, si personne ne s'y oppose. Merci. Y a-t-il des questions sur les décisions prises en application de la délibération du 25 mai 2020, qui s'appelle en clair les décisions du maire, les DIA et diverses décisions qui passent à la ratification, d'ailleurs non, en information plus exactement. Pas de questions particulières, merci. Notre premier sujet à l'ordre du jour est l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 26 juin 2023. Y a-t-il des remarques particulières? Non, je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Au rapport, une fois n'est pas coutume, pour ouvrir notre conseil, au rapport de Jean-François Trassard, la convention de partenariat entre la ville de Villers et Enedis. Monsieur le maire, chers collègues, par délibération du conseil municipal du 27 mars 2023, la ville a souhaité rendre hommage à deux figures emblématiques de la commune, Michel et Jean Pertuis, historien de Villers-lès-Nancy et co-auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l'histoire de la commune, ainsi qu'aux orchidées lorraines. Afin d'ancrer leur nom dans le quartier qu'ils n'ont jamais quitté et dont ils ont longuement fait le récit, le mail situé entre le boulevard du docteur Quatennens et la rue Auguste Bichaton, dans le prolongement de l'avenue France-Lanor où ils résidaient, est dénommé mail Michel et Jean Pertuis. Afin de rendre hommage aux auteurs des ouvrages « Les orchidées dans l'école de Nancy », publié en 1984, et « Le Placieux d'Avant à Villers », publié en 2010, la ville de Villers-lès-Nancy souhaite habiller durablement le transformateur Enedis situé au bas du mail, à proximité de la rue Bichaton. Deux faces de l'édicule seront consacrées aux orchidées autochtones. Les planches reproduites sont issues de l'ouvrage « Flore de Lorraine », un recueil de 1147 aquarelles originales réalisées par le docteur Bèche de 1872 à 1899. C'est une acquisition exceptionnelle qui a eu lieu en 1987 au profit des jardins botaniques de Villers. Grâce à l'Ajabona, l'association des amis des jardins botaniques du Grand Nancy et de l'Université de Lorraine, qui donc est l'association qui avait lancé la souscription. Les deux autres faces de cet édicule seront consacrées à l'histoire du Placieux sur la base iconographique de la famille Pertuis. La ferme du Placieux, c'est une peinture de Eckert réalisée en 1948 et une autre image qui est le chemin conduisant à la ferme du Placieux en 1903, donc là c'est une photo, une carte postale, qui sera placée donc dans la perspective du mail. Il convient de formaliser les modalités de mise en œuvre de ce projet de mise en valeur esthétique du poste de distribution publique dénommé Placieux Bichaton au travers d'une convention avec Enedis. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention jointe en annexe et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à la signer. Merci. Des questions sur cette convention? Je voudrais juste ajouter sur ce sujet que c'est assez intéressant qu'on puisse faire naître ce partenariat. Je pense que pour bien des raisons, le transformateur dont il est question était évidemment le transformateur prioritaire pour y travailler, à la fois par sa proximité forte avec la direction interrégionale d'Enedis, d'une part,
Deuxièmement, pour son emplacement au plus près du couple Michel et Jean Pertuis, comme vient de le rappeler Jean-François. Et puis, troisièmement, eu égard à sa localisation bien singulière au milieu du passage et qui n'est pas sans nous poser occasionnellement un certain nombre de difficultés. Pour autant, derrière ce principe qui donc nous autorise à habiller un objet qui ne nous appartient pas, je crois qu'il y a la volonté, enfin en tout cas l'échange que j'ai pu avoir avec Enedis nous a permis d'affirmer la volonté qu'il fallait que les grands opérateurs de services publics, Enedis, Orange, sans doute d'autres, aient un regard un petit peu plus attentif sur la façon dont ils occupent l'espace public. Je pense que autour de cette table et peut-être aussi dans le public, chacun a dans l'idée un truc qui est déglingué. Je fais exprès de prendre ce terme un peu familier. Et donc, nous, on a l'intention peut-être de poursuivre. On verra bien si d'autres emplacements se prêtent à ce genre de travaux d'embellissement. Et en contrepartie, on sera, je pense, en situation d'attendre que les petits boîtiers par-ci par-là, dont certains n'ont pas été réhabilités, je ne parle même pas d'échanger, depuis bien longtemps le soient, à la fois quelquefois quand même pour des raisons de sécurité, mais aussi bien sûr pour des raisons de qualité de l'espace public. Donc voilà, je viens de l'infiniment grand vers l'infiniment petit, mais je pense que cette expérience a permis aussi de resserrer nos liens avec ce partenaire Enedis. Je le mets donc aux voix, qui est contre, qui s'abstient. Merci pour les Pertuis et pour y être passé en venant en vélo tout à l'heure. Je vous invite à aller voir la troisième face qui est posée. Le suspense est entier pour la quatrième. Merci Jean-François de ce travail fin. Au rapport de Gérard Pals, un avis de la commune sur la cession de deux logements par Meurthe-et-Moselle Habitat. Oui, monsieur le maire. Donc, dans le cas de la troisième convention de délégation des aides à la pierre, la métropole du Grand-Nancy peut désormais octroyer les agréments autorisant les bailleurs sociaux à procéder à la vente de leurs logements. Ces agréments permettent de compléter les plans des ventes qui ont été validés par l'État et la métropole lors de la signature de la CUS, Convention d'utilité sociale, en 2019. La métropole a ainsi reçu une demande de MMH, Meurthe-et-Moselle Habitat, pour la mise en vente de deux maisons individuelles d'une surface habitable d'environ 85 mètres carrés, situées 24 et 26 avenue de Brabois à Villers-les-Nanciers. Ces pavillons sont vacants depuis février 2019 et février 2021. Ces constructions datant des années 30 nécessitent des travaux confortatifs, la vétusté étant aggravée par l'inoccupation des lieux. La remise en état est estimée à plus de 100 000 euros. Montant très difficile à amortir pour MMH, compte tenu du plafonnement des loyers, 369 euros hors charge. C'est pourquoi MMH a engagé une réflexion pour céder ces pavillons. Après réalisation de diagnostics préalables, le prix en a été estimé à 190 000 euros chacun. En raison de l'attractivité du secteur et de l'architecture spécifique des bâtiments, emblématique du style Art déco, des clauses anti-spéculatives sont insérées dans les actes de vente. La métropole doit se prononcer sur ce projet de mise en vente et, à ce titre, sollicite l'avis de la commune de Villers-les-Nancy sur l'opportunité de cette aliénation. Après avis de la commission compétente, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ce projet de cession de deux pavillons par Meurthe-et-Moselle Habitat. Merci. Des questions sur ce sujet ? Non, je me permettrai cette fois aussi d'ajouter quelques mots pour qu'on comprenne bien comment on travaille avec les bailleurs sociaux sur ce sujet. Je vous rappelle que je vous avais suggéré, vous aviez bien voulu d'ailleurs, et à ma connaissance à l'unanimité, émettre un avis négatif sur la précédente opération de cession qui était envisagée par un bailleur social.
C'est parce que ce ne sont pas des opérations à un coût. Et comme vient de le rappeler Gérard, c'est un travail de longue haleine sur la mixité sociale dans son ensemble et sur la façon dont on permet ou dont on demande aux bailleurs en question de bien vouloir assurer leur mission. Et en l'occurrence, de mémoire, c'était un bailleur qui avait peu de logements et qui, évidemment, trouvait fort confortable. Excusez-moi, Pascal, ça s'entend très, très, on vous entend très, très bien. Voilà. Donc c'était un bailleur qui, en réalité, se délestait de son patrimoine avilé. Et pourquoi s'en délestait ? Parce que le patrimoine social avilé, c'est vendable. Voilà. Donc ça, c'est une opération financière, ça ne nous va pas. Ce qui vous est proposé aujourd'hui, en discussion avec MMH, c'est un travail fin, comme l'a rappelé Gérard, sur les deux logements concernés et leur destination aussi, on y réfléchit, d'une part. Et d'autre part, un travail fin avec Meurthe-et-Moselle Habitat, qui est le principal bailleur social sur le territoire de Villers et de Loing, et qui ne se replie pas et continue au contraire. On aura l'occasion dans quelques semaines de présenter les travaux qui sont en cours sur Clairlieu à la place de la résidence autonomie actuelle, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler. Voilà, on est avec un bailleur qui est un vrai partenaire. Et donc, ce partenaire nous propose quelque chose qui est tout à fait raisonnable et compréhensible dans son schéma. Par conséquent, je vous propose de vous prononcer favorablement. Je le mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Au rapport de Gérard Pals, le rapport de gestion et de gouvernement d'entreprise de Solorem. Le rapport de gestion de Solorem. Donc, je vais vous faire grâce de toute cette présentation parce que j'imagine que vous l'avez tous lu avec grande attention. L'année dernière, je vous avais parlé un peu de l'origine de la Solorem. Donc là, on va faire un peu plus court cette année. Donc, la Solorem, je vous rappelle, est une société d'économie mixte contenant comme administrateurs diverses collectivités territoriales. L'activité de Solorem a concerné le suivi d'environ 90 opérations dans la région Grand Est. Et pour rappel, les fonctions de président et de directeur général sont désormais cumulées. Monsieur Mathieu Klein assure les deux fonctions. Donc, la Solorem a travaillé sur de nombreuses réalisations 2022, notamment sur le CEPAL, la caserne des pompiers à Nancy, le lycée Labroise en région, et également à Saint-Dié. Et en ce qui concerne la ville de Villers, ils ont participé, à la rénovation, à la réhabilitation du château de Brabois avec le CAPS. Donc voilà, je crois que c'est le point important peut-être à en retenir de cette présentation qui n'est pas toujours très simple à effectuer. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Y a-t-il des demandes de parole ? En complément, à nouveau, c'est-à-dire que je me fais plaisir ce soir, mais là, c'est une communication relativement importante. On a décidé, lors du dernier COMEX à la métropole, de s'orienter, s'agissant de Solorem, vers une société publique locale. C'est particulièrement intéressant parce que une société publique locale, ça a tous les avantages de la société, sans l'inconvénient, d'ailleurs souvent un peu factice, de la société privée qu'il faut nécessairement mettre en concurrence. Je veux dire pourquoi factice après, rassurez-vous, il n'y a rien d'horrible derrière ça. Mais qu'il faut mettre en concurrence, même quand on sait dès le départ qu'évidemment c'est Solorem qui sera le mieux placé. Et c'est en ça que cette concurrence est souvent factice, c'est parce que très souvent, Solorem est la seule structure à répondre. Mais entre-temps, on a perdu 6 mois. 6 mois. Sur un appel d'offres européen, c'est 6 mois. Et donc, il sera particulièrement intéressant de créer cette société publique locale, pour le rôle qui est le mien à la métropole, et en tant que maire, j'y ai donné un avis très favorable, mais je vous proposerai sans tarder que nous devenions actionnaires
de cette SPL, ce qui nous permettra d'avoir une société qu'on appelle in-house dans le jargon des affaires, c'est-à-dire une société à laquelle on peut faire appel sans se soucier particulièrement de conditions de mise en concurrence, encore une fois, qui ne sont pas adaptées quand on travaille avec un partenaire de longue durée comme Solorem. Donc ce sera évidemment un sujet intéressant et on le fera dès que possible. Pour l'instant, l'opération se fait entre la ville de Nancy et la métropole. On peut le regretter, je le dis très clairement. Je pense qu'on aurait pu et dû avoir d'emblée le maximum de communes de la métropole, mais ne boudons pas notre plaisir pour une critique de la méthode et nous pourrons revenir et proposer cela rapidement. Voilà. Je mets donc aux voix. Je mets aux voix. Non. Communication, d'accord. Oui. Question, Monsieur Jacquemin. Oui, c'est simplement qu'à l'origine, la Solorem, on avait une représentation, nous, Villers, spécifique, parce qu'il y avait eu des investissements bien avant que j'arrive, de la Solorem, donc la commune était représentée. Donc j'espère que par la suite, si effectivement on est actionnaire au niveau de la Solorem, on pourra aussi avoir notre mot à dire dans cette SPL à venir. Alors aujourd'hui, Gérard Pals, d'ailleurs, qui peut-être. Alors, il n'y a pas de vote, c'est ça ? Il y a un vote ou il n'y a pas de vote ? Il n'y a pas de vote. Donc, ceux qui avaient prévu de se déporter ne se déportent pas puisqu'il n'y a pas de vote. Ils se déportent du non-vote. Voilà. Mais donc, Gérard participe à l'Assemblée générale de Solorem. Et évidemment, en fonction du poids de chacun, on sera amené. Parce que c'est aussi important, même si, encore une fois, c'est d'abord ce que fait la société qui est importante, mais le pilotage de la société est évidemment quelque chose qui nous intéressera. Je partage complètement ce point de vue. Donc, je ne mets pas aux voix un non-vote qui n'a pas déporté des élus qui auraient dû le faire. Enfin, qui l'auraient fait s'il y en avait. Petite enfance, au rapport d'Olivier Hérault, l'actualisation du règlement de fonctionnement des établissements d'accueil du jeune enfant. Merci, Monsieur le Maire. Alors, simplement, vous présenter le motif de cette délibération. On souhaite simplement aujourd'hui fusionner les deux règlements intérieurs qui existaient dans chacune de nos crèches, la Sepinière d'un côté et Martine Marchand de l'autre, et donc vous proposer un seul règlement de fonctionnement. Dedans, on a également ajouter le référent santé, puisqu'en fait, c'est une délibération qu'on avait prise au mois de juin dernier, qui indiquait qu'on avait un nouveau référent dans ce domaine. Et puis, également, préciser ce que l'on fait au niveau de la gestion et en amont de l'inscription des familles dans nos crèches, puisque le relais petite enfance est très, très sollicité. Il est un point d'accueil important dans notre dispositif qui permet aux familles de connaître l'exhaustivité des moyens de garde pour les petits sur notre commune et ailleurs d'ailleurs, puisqu'on a un rôle vraiment d'information générale. Et puis j'en profite pour saluer ce dispositif qui a maintenant 5 ans et qui, dans les affaires nationales, sont mis en exergue et en valeur pour ce type d'informations et de services rendus aux familles et aux parents. Donc on peut se féliciter d'avoir pris ce choix et cet engagement il y a quelques années déjà. Donc voilà, donc ces éléments sont précisés dans ce nouveau règlement intérieur. Et donc il est demandé au conseil municipal d'approuver le nouveau règlement de fonctionnement des établissements d'accueil du jeune enfant La Sapinière et Martine Marchand, et d'autre part d'autoriser Monsieur le maire ou un de ses représentants à le signer, ainsi que tout avenant modificatif à intervenir. Merci. Des questions, des remarques ? Je mets donc aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci. Au rapport d'Olivier Hérault, une convention de partenariat entre la ville de Nancy et la ville de Villers pour l'accueil des familles nancyennes au lieu d'accueil parents-enfants, le CANAP. Merci, Monsieur le maire. Là aussi, pour nous, c'est mettre en lumière ce que l'on fait pour la petite enfance et l'enfance, puisque là, ça concerne les familles qui sont accueillies dans ces lieux d'accueil où les parents peuvent venir
avec leur enfant, échanger voilà, sur un lieu d'accueil qu'on a dénommé le CANAP, hein, pour, en référence à ce lieu convivial. Voilà. Ensuite, ville de Nancy partenaire, puisqu'en fait, pour vous rappel, chers collègues, nous avons trois sites itinérants, puisque c'est un lieu d'accueil itinérant sur notre commune, deux sur Villers, un sur Nancy, donc au centre Jolibois. Et c'est pour ça qu'on a sollicité la ville de Nancy pour participer modestement à une contribution de 1 000 euros. Pour vous donner quelques informations des indicateurs, donc sur 2022, nous avions réalisé 77 séances, donc ça concernait 42 familles, dont 14 familles nancéennes. Sur le premier semestre 2023, on est déjà à plus de 412 heures d'ouverture pour 50 familles accueillies, dont 27 familles nancéennes. Donc notre dispositif fonctionne plutôt bien, on a de plus en plus de familles. Le lieu est connu et reconnu et les familles y participent activement, donc c'est très plaisant. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer cette convention et les éventuels avenants à venir. Merci. Des questions ? Je voudrais vraiment souligner le travail qui est fait sur ce projet, enfin ce qui n'est plus un projet, sur cette réalisation, qui était d'ailleurs un projet de mandature, je tiens à le souligner, et dire que le succès est complètement au rendez-vous. Je dois dire que ça nous a même presque surpris, mais la façon dont tout ça est monté, je pense qu'il y a deux grandes raisons à ce succès. D'abord, la nécessité et la nécessité qu'ont les parents d'utiliser et de faire appel à ce service, mais c'est aussi tout le travail cohérent qui est fait autour de la parentalité en général par Olivier et les équipes de la ville, de la CAF, bref, de l'ensemble de nos partenariats pour que on en arrive à ce succès que je tiens à souligner. Je le mets donc aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Délibération numéro 6, au rapport de Mme Delus, le renouvellement de la convention de partenariat avec Culture et Bibliothèque pour tous de Meurthe-et-Moselle. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de sa politique culturelle, la ville de Villers-les-Nancy soutient les associations qui participent au rayonnement et au dynamisme culturel de la commune. Ces relations privilégiées entre la ville et les associations culturelles sont formalisées par des conventions qui fixent les modalités de mise en œuvre de ces partenariats. Pour promouvoir la lecture publique, la ville a souhaité s'appuyer sur le réseau des bibliothèques gérées par l'association départementale Culture et Bibliothèque pour tous de Meurthe-et-Moselle, en prenant en charge chaque année, les années scolaires bien sûr, les frais d'inscription des jeunes villarois auprès de chacune des trois bibliothèques de ce réseau associatif. La ville a signé une convention triennale de partenariat 2020-2023 avec l'association Culture et Bibliothèque pour tous de Meurthe-et-Moselle. Cette convention est arrivée à son terme le 31 août 2023. Nous considérons que les actions menées par cette association répondent aux objectifs fixés et donc nous allons la renouveler, mais seulement la renouveler pour une année, compte tenu que nous sommes dans l'attente de l'installation de Bibliothèque pour tous de Villéval au sein du foyer Paul Adam. Ça sera normalement en juin prochain. Et donc nous travaillerons ensuite sur une convention, une nouvelle convention triennale dans de nouvelles conditions, notamment d'installation de la bibliothèque de Villéval. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat avec l'association Culture et Bibliothèque pour tous de Meurthe-et-Moselle, renouvelée pour une durée d'un an, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à la signer. Merci. Des questions ? Non, dans ce cas, je mets cette belle délibération aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Arrive, au rapport de Valérie Rampon.
Merci, Monsieur le maire. Donc, l'Association des relations internationales de Villers-les-Nancy, ARIF, prend en charge la réception de la délégation de la ville jumelée d'Orlinghausen et propose tout au long du séjour des animations et visites. Donc, lors de la dernière visite de nos amis allemands, qui s'est déroulée du 18 au 21 mai 2023, l'association a ajouté à son programme une visite de la ville de Nancy par le petit train touristique pour une dépense supplémentaire de 378 euros. Elle est donc demandée ce soir au conseil municipal d'accorder à l'association ARIF une subvention exceptionnelle de 378 euros. Merci. En vous demandant d'abord de me pardonner, j'ai sauté la deuxième délibération relative à la bibliothèque pour tous, mais je vous propose néanmoins de débattre de sujets arrive, si vous voulez bien, du petit train, de ce que vous voulez, voilà, et on reviendra ensuite à l'autre délibération. Pour le petit train, il y a des volontaires. Donc, je le mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Nous revenons donc à la délibération 7, la subvention municipale, évidemment. J'imagine que la Bibliothèque pour tous nous en aurait voulu. Bibliothèque pour tous a une subvention de fonctionnement qui est fixe, mais elle a aussi une part variable en fonction du nombre des élèves inscrits ou des enfants inscrits dont je vais vous parler. Donc la commune a signé le 31 août 2020 une convention de partenariat avec cette association qui prévoit entre autres la prise en charge par la commune chaque année scolaire des frais d'inscription des jeunes Villarois auprès de chacune des 3 bibliothèques du réseau à Villers, bien sûr, pour un montant individuel de 12 euros. Les bénéficiaires de cette aide municipale sont les enfants des familles résidant à Villers-les-Nancy et ou inscrits dans l'une des écoles publiques maternelles et élémentaires de la commune. Le dispositif est également accessible aux enfants villarois scolarisés dans un collège public. Enfin, par délibération en date du 31 janvier 2022, cette prise en charge a été étendue à tout jeune enfant résidant à Villers-les-Nancy et non encore scolarisé, ou à tout enfant accueilli par une assistante maternelle agréée établie à Villers-les-Nancy. C'est donc la tranche 0-3 ans. La subvention est versée chaque année à l'association sur présentation des listes des enfants inscrits dans les 3 antennes de l'association sur le territoire villarois. Le nombre des enfants inscrits pour l'année scolaire 2022-2023 a augmenté grâce, bien sûr, au dynamisme de l'association, mais aussi grâce à l'accès aux 3 bibliothèques pour la tranche d'enfants 0-3 ans. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons 337 enfants qui ont bénéficié d'une inscription lors de cette année scolaire. Lors du vote des subventions le 27 mars 2023, le montant maximum de la part variable prévue était de 2 900 euros. Il convient donc de compléter cette part variable à hauteur de 1 144 euros supplémentaires afin de verser l'intégralité du montant des adhésions des jeunes Villarois à l'association. Il est donc demandé au Conseil municipal d'accorder à l'association Culture et Bibliothèque pour tous de Meurthe-et-Moselle un complément de subvention de 1 144 euros et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à la signer. Merci. Des remarques sur ce sujet? Je l'avais prévu en plus, et donc un pardon supplémentaire pour mon oubli. Je crois que on ne peut qu'être impressionné par le résultat et la fréquentation qu'obtiennent aujourd'hui nos bibliothèques pour tous. Je crois que c'est extrêmement encourageant sur la lecture chez les jeunes et les plus jeunes. C'est le résultat aussi, il faut le dire, de deux équipes très, très complémentaires et très motivées de bibliothécaires. Et aussi,
de la façon dont nous avons voulu dans le temps et réussi dans le temps à permettre à cette association, notamment à la partie active dans le centre de Villers, de retrouver des points de chute. Et le point de chute au Poladan sera évidemment extrêmement intéressant pour l'activité intergénérationnelle que le Poladan pourra reprendre avec force et vigueur dans les années qui viennent, une fois les travaux livrés. Je mets donc aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci. Délibération numéro 9, cette fois au rapport de Didier Bégoin. La convention d'utilisation du gymnase Georges Schepfer. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, comme vous le savez donc, le gymnase Schepfer qui attenant au collège, historiquement appartenait au SIS, au syndicat intercommunal scolaire. Il a été prononcé donc par arrêté préfectoral la dissolution du SIS. Il y a donc, c'est la métropole qui a pris en charge donc ce gymnase comme tous les autres gymnases du territoire. Il y avait une première convention qui avait été établie et qui s'est terminée au 30 juin 2023. Et cette convention, première convention, elle réglait notamment les modalités transitoires de gestion du COSEC et les conditions relatives à l'utilisation, à la gestion de l'équipement restant et qui était resté inchangé. Une nouvelle convention, donc, maintenant, va se mettre en place à partir du 1er juillet 2023, puisque le transfert de compétences du SIS à la métropole implique que cette dernière va exercer maintenant, désormais, sa pleine compétence en matière sportive, et notamment le transfert dans le patrimoine de la métropole des biens et des droits à caractère mobilier ou mobilier utilisés pour l'exercice de cette compétence. Dans cette convention, bien évidemment, les frais d'utilisation, d'entretien, de chauffage, de consommation d'eau, d'électricité, etc., les polices d'assurance seront prises en charge toujours par la métropole. Des coûts éventuellement d'investissement seront pris en charge par la métropole. Le seul changement, c'est par rapport à l'agent municipal qui était affecté notamment par rapport à cette utilisation scolaire en journée par les collégiens du collège Schepfer et en soirée par les clubs. Ben, jusqu'à présent, le coût salarial était pris en charge par la métropole et à partir de maintenant, cet agent sera affecté de plein droit à la métropole du Grand Nancy. Voilà, c'est la principale modification de cette convention. Et cette convention, elle part à partir du 1er juillet pour une durée d'un an. Elle est susceptible de reconduction tacite. Voilà, donc après avis des commissions compétentes, il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la présente convention et d'autoriser monsieur le maire à la signer, ainsi que ses éventuels avenants. Merci. Y a-t-il des remarques ? Quelques mots quand même, parce que c'est l'aboutissement d'un travail de fond qui a été engagé il y a maintenant plusieurs années. Sur la façon de gérer les gymnases sur la métropole. Comme vous le savez, on disposait d'un héritage tout à fait historique qui s'appelle le syndicat intercommunal scolaire, dans lequel on peut s'étonner, hein, je vais m'étonner deux minutes, que ce syndicat ait eu à gérer des gymnases attenant à des collèges. Les gymnases attenant à nos écoles sont gérés par la mairie, propriétaire de l'école. Et si vous voulez mon avis, je pense que ça devrait être le cas. Et je souhaiterais, Nathalie n'est pas présente ce soir, mais que quand même on ne perd pas de vue les obligations en matière d'éducation physique et sportive, qui sont, à juste titre d'ailleurs, rappelées et dans la zone d'application du président de la République, dont je ne suis pas forcément un suppôt quotidien, mais sur ce sujet, j'ai tendance à le rejoindre. Donc pour autant, il fallait prendre une décision sur cette structure. Et le fait de replacer ces gymnases dans le giron de la métropole, même si la métropole n'en a pas la compétence, puisque la seule compétence sportive de la métropole, ce sont les clubs et équipements sportifs pour les clubs professionnels, à un moment donné, c'est aussi la réalité qui fait loi. Donc voilà, ceci étant quand même juste rappelé, je pense quand même que
nos collégiens, je dirais, ont droit à des conditions de pratique sportive décentes, ce qui, et je tiens à le dire aussi, n'est pas véritablement le cas pour les quotidiens, pour les collégiens qui ont rejoint le collège Nikita Saint-Phal. Avoir à marcher plus d'un quart d'heure pour aller faire du sport, c'est pas normal. Voilà. Et je regrette, encore une fois, je le dis très clairement, que le maître d'ouvrage, de ce point de vue-là, ne remplisse pas ses obligations. Que dirait-on si nous fermions un de nos trois gymnases municipaux ? Voilà, ça c'est dit. La proposition qui est faite par la métropole nous semble extrêmement intéressante, comme l'a dit Didier. Ça va permettre d'avoir une gestion beaucoup plus dynamique, bien évidemment, des gardiens et de la façon dont ils vont pouvoir appréhender d'ailleurs eux-mêmes leur métier, tout en préservant, ce qui est évidemment important pour nous, à la fois le sport scolaire et l'occupation associative importante par des clubs sportifs de Villers de cet équipement. Donc voilà, dans ce schéma baroque, sortir du SIS était une nécessité et cette proposition-là est la plus souhaitable. Alors, Monsieur Bégouin, et ensuite on vote. Monsieur le maire, puisque vous l'évoquez, il faut appeler un chat un chat. Bien évidemment, nous ne doutons en aucun cas que la métropole, ayant déjà des compétences sportives, nous aurons de bonnes relations avec cette collectivité territoriale. Mais on peut s'étonner, il faut le dire, que quand même, ce ne soit pas le conseil départemental qui soit à l'origine et propriétaire de ces différents collèges. Il faut rappeler que le 17e ou 18e gymnase. Le 17e ou 18e gymnase SIS, le collège Jean Lamour, où à l'époque, le président du conseil départemental est actuellement le maire et le président de la métropole, et qu'il est maintes et maintes fois écrit et dit qu'il ne souhaitait pas, ça ne rentrait pas dans ses compétences que le conseil départemental mette un seul euro dans ce gymnase qui allait servir aux collégiens et collégiennes. Voilà, il faut appeler un chat, il faut que chacun quand même respecte ses compétences. Ceci est dit, merci. Merci, je mets aux voix, Monsieur Jacquemin voulait... C'est vrai que ça, ce sera un débat à avoir, effectivement, sur l'utilisation réelle des gymnases à travers la métropole. Prenons garde, cependant, qu'effectivement, à un moment ou à un autre, le département prenne en main ses collèges, que nous ne puissions plus, nous, communes, pouvoir y accéder aussi facilement en soirée avec les associations. Ça pourrait être un problème. Quant à la remarque qui est faite sur le collège, pour lequel les collégiens sont obligés d'aller à pied. Moi, je suis un peu surpris de la remarque de Monsieur le maire, parce que quand j'étais jeune collégien et lycéen, nous allions faire des marches de repérage et on partait à pied dans la forêt. Et c'était drôlement agréable. Enfin, voilà, ça, c'est mon point de vue, Monsieur le maire. Alors, je vais répondre en étant un petit peu surpris, mais tout en rassurant notre collègue Jacquemin. D'une part, je crois qu'il aura compris que le risque d'une reprise des gymnases par le département est une hypothèse d'école, enfin en tout cas à court terme, et je dirais à assemblée constante. Ça, c'est le premier sujet. Deuxièmement, je ne vois pas au nom de quoi nous aurions un département qui ne serait pas au plus près de ces associations sportives, comme il ne manque pas de rappeler. La problématique, c'est pas de ne pas pouvoir marcher. La problématique, c'est que sur une heure de gym, pour rappeler ça à l'ancienne, si vous avez deux fois 15 minutes de marche, plus la mise en place sur le truc, vous avez 20 minutes de sport. Voilà le problème. Ça, c'est un problème. Et je vous invite d'ailleurs à aller interroger les profs de sport du collège Nikita Saint-Phal. Ils ne manqueront pas de vous le dire. Et donc ça, c'est un problème. Voilà. Je mets donc aux voix cette convention d'utilisation qui est contre, qui s'abstient. Merci. Au rapport de Bernard Mangeol, la convention de mutualisation des services d'information avec la DSIT. Merci, Monsieur le maire. Donc, par délibération du Conseil métropolitain du 13 juillet 2017, le Grand Nancy a adopté la signature d'une convention de mutualisation informatique avec 15 communes du Grand Nancy, dont Villers.
ainsi que des centres communaux d'action sociale de Nancy et de Vendeuvre, l'Opéra, le Sillon Lorrain, le syndicat à vocation unique Saint-Michel-Géricault et le syndicat intercommunautaire scolaire. Le 19 octobre 2018, trois communes supplémentaires, dont Martemont, Fléville et Heillecourt, ont intégré cette mutualisation des moyens informatiques. Enfin, le 20 septembre 2019, le syndicat intercommunal pour la gestion de la crèche Frimousse s'est inscrit dans cette démarche. Cette dernière convention a été prolongée par avenant pour une durée d'un an au Conseil métropolitain du 20 septembre 2022 et arrive donc à échéance ce mois-ci. Donc il est désormais proposé de renouveler cette convention dans ses termes usuels avec quelques évolutions à la marge à compter du 1er janvier 2024. Il conviendra également de proroger pour une toute petite durée la convention en cours, donc jusqu'au 31 décembre de cette année. En effet, les projets d'informatisation sont devenus de plus en plus complexes dès lors qu'on recherche une efficience optimale. Les politiques publiques de nos organisations respectives sont soumises à d'énormes contraintes d'efficacité, de dématérialisation et surtout d'évolution réglementaire. Donc cette mutualisation permet d'accéder à un ensemble complet de compétences et au bénéfice de tous. C'est dans cet esprit originel que souhaite s'inscrire cette nouvelle convention et proposer à ses adhérents de se mobiliser facilement un ensemble de compétences expertes, par exemple pour les assister dans leur prise de décision, dans leur choix technologique et fonctionnel, pour réaliser ou accompagner la mise en œuvre de leurs projets, se prémunir des risques majeurs en termes de cybersécurité et aussi optimiser les coûts d'investissement et de fonctionnement afférents à la détention d'un patrimoine matériel et logiciel de plus en plus conséquent. Faisant écho aux remarques et aux demandes de ses adhérents, elle propose de réinterroger les principes qui ont présidé aux décisions originelles et suivantes, de mutualiser les moyens informatiques de toutes les organisations citées en supra et de les inscrire dans une démarche d'amélioration continue. Plusieurs évolutions sont proposées pour cette nouvelle période de mise en œuvre, en particulier un catalogue de services actualisés, des instances de gouvernance renouvelées, une refacturation des services simplifiés, l'introduction de sections relatives au règlement général pour la protection des données, suite à la loi de 2018, une activité articulée autour de schémas directeurs communs, venant compléter les stratégies numériques respectives des adhérents. Ils ont pour objectif de concourir à un aménagement numérique collectif et équitable du territoire au service de tous nos concitoyens. Les actes proposés initialement seraient les suivants, donc sécurisation du système d'information, optimisation des coûts de possession, sobriété numérique et souveraineté, respect de la conformité réglementaire, comme le RGPD, inclusion numérique des agents, accroître nos capacités de pilotage par les données et assurer le maintien opérationnel du système d'information et gérer l'obsolescence. En effet, l'obsolescence de certains matériels s'oppose à une gestion sécurisée de ces dits matériels quand il n'y a plus de mise à jour disponible. Alors, en synthèse, le nombre et la fidélité des adhérents, puisque actuellement ça représente 18 communes sur les 20 du Grand Nancy, témoignent de l'intérêt pour cette forme de mutualisation comme levier d'amélioration des services informatiques et par transition du service public, de maîtrise de la dépendance publique locale et de la rationalisation des ressources dans un cadre d'un partenariat équilibré et volontaire. Donc, vous avez vu la convention ci-jointe. Donc, elle va permettre d'optimiser et de proposer davantage de services à un moindre coût, de simplifier et de disposer d'un système d'information adapté de plus en plus complet et complexe à gérer, mais néanmoins accessible à tous, indépendant des moyens respectifs de ses adhérents, et de rendre l'exécution plus transparente et plus lisible. Donc, il est demandé au Conseil municipal d'approuver la convention ci-jointe
en ouvrant une période de mutualisation de 5 années reconductibles année par année. De proroger la convention donc actuelle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, jusqu'au 1er janvier 2024 et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à la signer ainsi que tous les actes afférents. Merci Bernard. Y a-t-il des remarques sur le sujet des SIT ? C'est Jacquemin dans la DSIT, non, d'accord. C'était pour être taquin en fin de conseil. S'il n'y a pas de remarques, je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Les conseils les plus courts peuvent être les meilleurs. Le prochain conseil municipal sera le lundi 6 novembre 2023. Oui. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous remercie de cette séance.